Waouh! J'appréhende beaucoup ce challenge. Ça va être compliqué. Et on est donc reparti. Je vais représenter les règles. L'objectif principal, transformer évidemment 10 euros en 1 million d'euros avec deux recaves de 10 euros. Donc ça fait 3 caves au total. Je vais commencer par Winamax. Le regback est inclus. Bah, je suis actuellement Red Diamond, donc je profiterai de ce regback. Les revenus autorisés, bon, bah, poker, regback, investissement, c'est-à-dire que si j'ai, je dis au pif, 200 000 euros de bankroll, les revenus que je fais à partir de l'argent que je place sont comptés dans le challenge. Et les revenus interdits, bah, tous les revenus liés à notre société. Évidemment, on ne peut pas me prêter de l'argent, on ne peut pas me chip dump et tout autre capital. J'ai une question pour toi. Tu as déjà joué le joueur d'Express aux 50 euros et puis sur une Gundad Gojo. À ce qui paraît, c'est un top reg. Je l'ai déjà joué, je me souviens plus de son niveau de jeu, mais c'est un joueur régulier, ouais. Quel genre de placement? Je pense essentiellement aux crypto-monnaies. Ça peut être d'autres placements qui peuvent me traverser l'esprit au cours du challenge, mais en gros, si j'ai 400 000 euros, ça sera vraiment immobilisé pour la grande partie du capital si j'ai 400 000 euros dans le poker. Donc, ça ne fait pas trop de sens de garder tout cet argent-là. Il n'y a aucun moment où je vais avoir a priori un down de 300 ou 400 000. Si j'ai 400 000 de roll, je vais gérer ma bankroll et placer ce qui ne me sert à rien. Le truc, c'est que dans un premier temps, je vais splitter ma roll sur les différents sites. Donc, je vais d'abord penser à faire ça avant d'investir. Je vais jouer, j'en sais rien, 6 à peu près. À peu près 6 sites en même temps, à terme. Donc, il va falloir splitter la bankroll sur ces sites et avoir une bankroll suffisante pour pas avoir un recap à chaque fois. Donc probablement à partir de 100, 150 000 euros, je commencerai à placer. Après, c'est possible qu'une grosse partie de mes gains proviennent d'investissements divers. C'est possible. Mais à l'origine, ça aurait été à partir d'un investissement de 10 euros dans tous les cas et essentiellement par du poker. Faire 10 euros, 1 million en investissement, ça relève de l'impossible, je pense. Il y a un bien meilleur effet de levier à utiliser le poker pour les micro-limites pour passer de 10 euros à 100 000 euros. Et à partir de 100 000 euros, on peut faire les deux. Quel format de jeu? Ça va être tous les formats, clairement. Je pense jouer du NL6 Max, bien que ça soit pas du tout ma variante. Je vais jouer ça sur les micro-limites, je pense. Je vais jouer du heads-up aussi sur les micro-limites. Je vais jouer des spins. Je vais jouer beaucoup de tournois. Il y a un assez gros effet de levier. Donc, au-dessus de 100 000 euros de bankroll, je pense que je vais vraiment miser sur les tournois. Quelle limite? Ça va être NL2-0. Et ça va être des spins à 25 centimes. Des free rolls si on a besoin, mais a priori, ça, il ne devrait pas y avoir besoin. Micro MTT, je pense faire ça dans un second temps. Ton challenge sera filmé à 100%? Non. Je vais streamer tous les jours, je pense, ou presque en tout cas. Mais il va y avoir des parties du challenge que je vais jouer en mode focus sur plusieurs tables. Parce que quand je Twitch, je peux faire maximum 4 tables. Et ça optimise vraiment pas mon winrate, surtout que je commente mes coups. Je streamerai tous les jours une heure ou deux à des heures fixes, mais aussi un peu plus longtemps lorsque je fais des MTT, mais sinon ça sera pas mal de sessions aussi hors stream. Les replays des streams, je vais alimenter ma chaîne YouTube tous les jours. Il y aura des petites minutes qui seront éditées par Ludwig. Donc voilà, vous pourrez voir ça sur notre chaîne YouTube ABC Poker. Et sinon, les replays sont disponibles 14 jours sur Twitch. Pourrait-on avoir un screen de tes perfs et aux résultats sur tableau de gains, BB100, main jouée, tracker? Je pense que je vais faire comme le challenge précédent. Je vais régulièrement poster des graphes de l'évolution de la bankroll et en début de stream, je pourrais faire un recap sur mon hold'em manager par exemple, de mon BB100, de ce que vous demandez, peu importe. Tu comptes monter jouer jusqu'à quel stack en CGMTT au max? Tant que ma bankroll le permet, je compte monter et tant que le field est suffisamment intéressant aussi. Je vais pas jouer les MTT quotidien de PS.com à 1 000 euros ou 2 000 euros si c'est full reg. Mais s'il y a des séries et que j'ai la bankroll pour, je pourrais très bien faire des 2 000 et des 5 000 main event ou des trucs comme ça. Genre bumunter aux plus hautes limites. Je vais jouer en dehors de mes Twitch, mais ça sera toujours compris dans le challenge. Donc je pourrais faire du live aussi, par exemple à Barcelone ou Vegas si j'y vais. Mais ouais, il peut y avoir du live. Je donnerai des updates. Je tiendrai aussi un fichier Excel si je me mets à cash out des rooms. À verser sur des casinos par transfert bancaire, etc. Je ferai un tracking de tout ce qui se passe et après, oui, il pourra y avoir des soupçons que je triche en live ou quoi que ce soit. Bon, les gens qui pensent ça, tant pis. Tu peux dire comment tu vas te motiver, faire du sport régulièrement, un régime alimentaire spécial? Régime alimentaire spécial, non. Je vais faire attention, cela dit. Sinon, le sport, ouais, c'est important. Je vais continuer à faire ce que j'ai commencé. Je faisais un peu de boxe. Ça commence quand exactement? Ça commence ce soir, Fabzi. Ce soir, je vais lancer
mon premier expresso. Étant donné que je suis en live et qu'il n'y a pas de délai, je vais lancer un seul expresso à 25 centimes, juste histoire de dire que je lance le challenge. Et je vais jouer hors stream ma première journée. J'ai vraiment besoin de focus cette première journée. Je suis désolé pour ceux qui regardent, mais de toute façon, on a plusieurs mois, voire années devant nous pendant ce challenge sur Twitch. Ce n'est pas l'action qui manquera. Donc, le premier jour, je vais le faire tranquille. Et on se retrouvera demain dans tous les cas pour continuer le challenge et voir où j'en suis. Bienvenue, pause caca. J'ai lu ton pseudo. Honnêtement, je vous dis la vérité, j'ai pas établi un tableau très strict et précis de ce que je vais jouer. J'ai essayé plusieurs variantes en micro-limite. J'ai essayé les expressos nitro, le heads-up, le short-handed. J'ai ouvert des tables de MTT parce que je n'allais pas lancer une session MTT à 50 centimes, mais j'ai ouvert les tables pour voir à quoi ressemble le niveau de jeu. Et j'ai eu de très bons résultats sur toutes les variantes. Du coup, j'étais un peu perdu à pas trop savoir sur quoi me focaliser. J'ai pris ma décision. Je pense que ça va être pas mal de 6 max cash game en micro-limite. Et si je monte en 10, 20 euros et que je sens qu'il y a trop de règles, je n'ai pas regardé encore le field sur ces limites-là, mais quand je sentirai qu'il y a trop de règles, j'irai voir d'autres variantes. J'irai me monter en fait simplement. Dans les variantes où il y a le plus d'action, avec le plus de fiches, quoi. Où retrouver ton ancien challenge? Il est dans les abîmes. Il n'y a pas de traces sur Twitch, il n'y a pas de traces sur YouTube. Cela dit, j'ai fait une masterclass sur ce Bankroll Challenge qui va sortir incessamment sous peu. Je pense d'ici quelques semaines, elle sera disponible en vente sur notre site internet. Donc voilà, je fais beaucoup de contenu gratuit via les Twitch, via YouTube. Donc ça, c'est gratuit et ceux qui veulent me supporter et qui aiment mon thinking process, vous aurez une masterclass qui retrace mon bankroll challenge de 50 euros à 50 000. Du coup, tu mets le coaching en parenthèse. Non, je vais coacher, mais essentiellement nos joueurs stackés. Je pense pas que j'aurai trop de temps pour coacher des joueurs en dehors du stacking, ouais. Ça va être une longue aventure, les gars. Croyez pas, il y en a beaucoup qui pensent que c'est déjà acté, genre ah, je lance ça, on se retrouve dans 6 mois, terminé. Non, non. Ça reste quelque chose de très ambitieux. Je me suis lancé un défi, je dois dire, de taille. J'apprends beaucoup. Je suis très motivé, mais c'est pas gagné d'avance. Je sais qu'il y aura des périodes très difficiles. Je sais que ça va être long. Quand je vois déjà que l'année dernière, lors de mon challenge 50 euros 50 000, il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de regarder le challenge quand je commençais à downswing. Genre, je suis monté à 3 000, je suis redescendu quasiment broke. J'ai reçu des commentaires en mode ah, je savais que t'allais broke, t'es nul à chier. Plein de trucs comme ça. Et après, j'ai stagné pendant genre un mois en micro-limite, alors que je suis censé les crush. Et là, le challenge est d'autant plus long. Et ce genre de période, je vais devoir les traverser. Et dès que j'ai commencé à crush, dès que la bankroll montrait genre 5 000, 10 000, 15 000, les viewers revenaient. C'est marrant à quel point c'est résultat dépendant. Ils pensaient d'un coup que mes conseils étaient meilleurs alors que c'était les mêmes. Du coup, pour ceux qui veulent progresser, même si je stagne, je pense que c'est du coaching gratuit qu'il y aura sur Twitch. Mais je pense quand même qu'on va s'amuser. À partir du moment où, si j'ai genre 50 euros plus, il n'y a pas de raison que je broke. Donc je peux prendre des shots quand j'ai plus de 50 euros. Je pense que je le ferai. C'est pas un sprint comme le 50 euros 50 000. C'est plutôt un marathon. Donc encore une fois, il y a possibilité que je fasse des Twitch où je Twitch juste sans pour autant avoir fait de session hors Twitch. Je serai présent 25 jours sur 30. Mais je n'ai pas forcément joué l'intégralité des jours à fond, quoi. Tu joues combien de tables? Sur Twitch, ça va être 4 maximum. Et hors Twitch, ça va dépendre de la variante. Si c'est des expressos, ça peut être 8. Et si je monte plus haut, ça sera peut-être 6. Tes streams seront en réalité que grind ou travailler hors table également? J'y ai réfléchi. Bonne question, Crash60. Très bonne question. Je pense pas que ça intéresse les gens. Ça intéressera le plus assidu, les semi-pros, les trucs comme ça. Mais je pense pas que ça intéresse et je pense pas faire ça. Mais intéressante question, ouais. Peut-être que je changerai d'avis pour une session par semaine ou quoi, mais c'est pas le projet pour l'instant. Voir les choses sur du très long terme, 3-4 ans, ça ne fait pas peur. Si, ça fait peur. Il peut y avoir des aléas de la vie, comme tu dis, l'envie de jouer, etc. Donc, très très bonne question. Le truc, c'est que mon challenge précédent a duré 2 mois. Et le but, c'était de garder une chaîne active, proposer du contenu sur YouTube. Et sans challenge, je trouve que ça fait pas de sens. Ou en tout cas, non, pour moi, ça fait pas de sens. J'ai du mal à être motivé, je pense, à twitcher tous les jours si j'ai pas un challenge derrière. Je fonctionne comme ça, j'ai toujours fonctionné comme ça. Il me faut un objectif, un challenge. Donc, jouer pour jouer sur Twitch ou YouTube, ça m'intéressait pas.
Consacrer combien de temps par jour à ce challenge? Je sais pas. Encore une fois, je vais pas me précipiter comme dans l'ancien challenge. Je vais pas me ruiner la santé. J'essaierai de jouer quand j'ai envie de jouer. Les jours où je me sens bien, je pense que je jouerai plus. Les jours où je me sens pas bien, je pense que je ferai seulement les streams. Étant donné qu'il y a plus trop de questions, je pense que je vais simplement lancer la première game. Et 1 heure de questions-réponses, je pense que c'est pas mal. Ok, bien les 10 euros. Alors, c'est pas de ma faute si j'ai des tickets. J'ai un ticket à 10 euros, mais je ferai en sorte de le supprimer ou j'enverrai un mail au support, j'en sais rien. Ça fait pas partie du challenge, ce ticket, évidemment. Mais en gros, ouais, 10 euros et j'ai pas de miles. Je vais quand même montrer que j'ai pas de miles. Voilà, 125 miles, donc j'ai pas de miles. Comme j'ai dit, je suis Red Diamond. J'ai décidé d'inclure le regback dans mon challenge, donc ça me donnera un petit avantage. Mais encore une fois, en micro-limits, le BB100 est tel que le regback est complètement négligeable. Donc ça sera... Et en MTT, il sert à rien aussi, le regback. Donc ça servirait seulement pour les spins nitro, les spins normaux, ou la short track si je joue cher, mais on n'en est pas du tout là. Donc je pense pas que c'est un gros impact ce Red Diamond pour entre 10 euros et 10 000 euros. On va pas faire un nitro, hein. On va jouer tranquille. Et il n'y a pas de délai, donc ceux qui atterrissent sur ma partie... Volez-moi, volez-moi, c'est cool. Mais c'est 25 centimes, c'est pas très important. J'ai déjà des notes sur monsieur, je vais regarder en dehors pour pas. Voilà. Ici, on pourrait clairement squeeze, mais je vais call, easy call, j'ai envie de dire. On a beaucoup plus de 7 que SB, que bouton. On pourrait avoir une range de lead ici, je pense. Je pense que c'est OK avec cette main. Je pense qu'il va flotter trop de SI, etc. Et je vais rentrer dans un bluff multibarrel. On a 25 blindes contre 2 joueurs contre qui on a l'edge. Je pense qu'on va jouer tranquille. Ici, en revanche, j'ai bien envie de bluffer. Bouton, quand il check back, il va souvent give up. SB n'a pas probe. Ça va souvent faire fold fold ici. C'est une assez mauvaise nouvelle. Je peux gagner contre. Pas grand-chose. Il peut avoir A5, A6 qui call turn. J'ai bien envie de faire. Ah, après j'ai des 3 qui sont contrefaits. Je pense pas qu'il va folder SI. Je pense qu'il a souvent A5, A6, As-2, des choses comme ça. J'ai un peu de showdown value contre Dame Valet Trèfle, mais je pense qu'il aurait bet flop. Je vais simplement give up. Il a souvent SI ici. S'il bet, c'est très suspicieux. Très suspicieux, mais j'ai du mal à avoir beaucoup de bluff. Peut-être 8 et 6. Ouais, il a As-8. Ah, As-8. Je pensais qu'il faudrait cette main à la turn. Ok. Si on va simplement faire tapis contre ce limp bouton. Et on va fold ce roi 4 off. Non, bah, je vais pas me faire stream snipe, je pense. Il y a 224 joueurs, mais il y a des milliers de joueurs qui jouent en micro stakes. Il y a assez peu de chances que je me fasse stream snipe. J'ai 2 joueurs fixes. Il peut pas y avoir des nouveaux joueurs qui intègrent la table, donc ça sera assez dur jusqu'à la fin. Donc si les deux sont clean, je suis tranquille jusqu'à la fin. Et sinon, bah, tant pis, j'ai envie de dire c'est 25 centimes. C'est pas très important. Min-raise ou fold, je pense que les deux sont ok, je vais folder. Jouer low variance contre eux. Si on min-raise paire de 3, c'est une main qui génère très peu de V, on augmente la variance. Bon là j'aurais fait brelan de 3, mais faut pas être héros. Et c'est une main qui génère assez peu de V. Après j'étais en position, donc ça me dérange pas d'open le bottom range. Mais bon, ici on va défendre, surtout que la SB défend, donc on a une défense très facile. Et là, il n'y a pas un cas où je me mets à bluffer turn si ça fait check, check, check. C'est juste un simple give up jusqu'à la fin. À part river si ça check 2 fois. Mais c'est assez peu probable que je trouve une opportunité dans ces situations. Donc voilà, fold. Je vais fold. Il a seulement 6,7. Il peut avoir des donk shove. Si je colle le pour FSI blind, il a eu des donk shove. Là, il le fait en plus. Donc si je fais une paire, je ne peux pas coller profitablement sachant qu'il y a lui derrière. Donc on va folder 4-5 off préflop. Mais sinon, si on est plus deep, on a envie évidemment de compléter. On a 1 à mettre dans 6. Voilà. Ça, c'est catastrophique. Roi 5 off, le flat en SB avec 8 blindes. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc je vous préviens, je serai un poil approximatif sur les ranges. Mais ça va le faire. Ici, on peut iso chauve ou iso un tiers stack. Iso petit, je suis pas fan. Je vais iso un tiers stack. Peut faire all-in ou un tiers stack. Un tiers stack, let's go. On va limper 8-4 off. On peut bet ou check. Les deux sont très ok. Avec backdoor straight, on va bet. On aurait pu très bien check.
Dans pot limpé, on va avoir des fréquences un poil inférieures que dans pot relancé au niveau des fréquences de ses bêtes. Parce qu'on size à moitié pot plutôt qu'un quart. Contre un limp, on va simplement faire tapis à 7 off ici. À ses stack size. Roi dame off, on va limp call all-in. Ou limp re-raise all-in s'il iso. J'espère que je suis pas en train de me faire stream snipe. J'aurais collé les rois X suité, genre roi dame, roi valet, roi 10 suité, roi dame off, c'est un peu trop fort. On va simplement faire tapis et ça joue un peu moins bien post-flop que les combos suités. Il a paire de dames, on n'est pas très bien. 10. Et non, du coup, on perd ce premier expresso. Donc voilà, on va démarrer demain avec 9,75 €. Demain, ça sera à la même heure, 19 h. Et j'espère que j'aurai eu le temps de grinder d'ici là pour me libérer d'un peu, entre guillemets, de stress. J'aimerais bien avoir genre 15-20 € de bankroll demain, faire un bon gros volume de jeu. Bon, peut-être pas autant, quoi, mais en gros, au-dessus de 10 € pour être OK à l'idée de jouer 4 tables sur le stream. Parce que là, commenter les mains, jouer 4 tables sans être full focus, enfin, c'est pas évident. Et j'aimerais bien être libéré d'un certain stress sur les premiers buy-in, parce que je commence avec pas grand-chose quand même. Hein. Allez les gars, c'était bien cool cette petite heure, et je vous dis à demain 19 h pour le jour 1. Voilà, c'était pas vraiment un jour 1, c'était plus question-réponse et lancement du challenge. Donc je vous dis à demain, jour 1, pour la suite de ce bankroll challenge. 10 euros, 1 million. Allez, à plus tout le monde. Ciao, 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 ciao.